va faire des Olympiades sur un yacht à Dubaï, mon gars. Attends, il a pas sauté plus loin que moi. Quoi? Je fais 1m60 bras levés, j'ai sauté le plus. Ah mais. Je rappelle, le gagnant gagne un tour. Wesh le Koda Gang, bien quoi l'équipe, bien quoi le clan. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va faire des Olympiades sur un yacht à Dubaï, mon gars. T'es mal à vue, la plus grande roue du monde. Voilà, à gauche. Pour cette vidéo on est en compagnie de mon gars Enchain. C'est un truc de ouf. On est en compagnie de mon gars DHM. Le plus beau des revues après un roof. Et bien sûr l'arbitre aka Inès. Bon courage. Et mon gars sur Brice que je ne présente plus bien sûr. Yo les mecs, cette vidéo cette fois-ci. Non. Au cours de cette vidéo les gars, il va y avoir différentes épreuves qui vous rapporteront à chaque fois des points. Celui qui à la fin de la vidéo a le plus de points remporte un tour en jet ski. Oh. Gratuitement. 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 Bien sûr, c'est moi qui ralasse. Merci. Je vais faire du jet ski tout à l'heure. Merci. Arrête, il lui serre la main. Il est beau, il est beau. Bon allez les gars, c'est parti. Bon du coup les gars, première épreuve, épreuve classique. Ça va être un concours de plongée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez sauter de là en hauteur, prendre du risque, vous pouvez. Si jamais vous voulez juste faire un plongeon stylé, vous faites ce que vous voulez. Impressionner la juge, c'est elle qui va décider avec Théo qui est derrière la caméra. Celui qui fera le meilleur plongeon remportera 3 points. Le deuxième, 2 points. Le troisième, 1 point. Et le dernier, 0 points. Putain, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je pourrais faire, ma boy. En plus, je suis une merde. J'en ai marre. Ok les refs, écoutez, je ne sais pas exactement ce que je vais faire parce que la juge est extrêmement compliquée, mais on va faire le mieux possible. Aïe. Commence à me parler poliment. Aïe. Bon le Koda Gang, je pense que la victoire elle est à moi. Mes adversaires ils sont vraiment pas de taille, même si je suis petit encore une fois. C'est trop facile avec eux. Le bateau il bouge de ouf, mais bon le salto il va être calé, hein. Oh. Je vais gagner. Allez les gars en place, on se dépêche là, on a pas le temps. En plus je suis compliqué donc réfléchissez au bonjour s'il vous plaît. Vous pensez gagner? Merci. Je ne pense pas, la victoire est à moi. Je voulais choisir qui commence. Ça va être toi. Ouais. Bon les gars, elle me demande d'y aller en premier, comme on dit, le meilleur pour le premier. Non. J'ai travaillé également au Cirque du Soleil dans mon enfance, ouais. Du coup je sais faire toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la question. Même moi je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Allez Koda, t'es nul. Allez, on se t'encourage. Ça mérite aucun applaudissement. Non, vraiment, t'en as aucun tac. C'est triste. Ah. 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 Aidez-le. Lucas. Oh, il est Lucas. Alors comment? Ah, il était incroyable. Quel prochain, s'il vous plaît, arbitre? Unchain. Bon, les gars, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave, je tente mon maximum. Moi, je vais tenter un petit peu la hauteur. Allez, allez, allez. Allez, Jay. Non, ça me sache. Oh, putain. Une marche au-dessus, c'est parti pour les déchaîner dans l'eau. Comment ça vient? Le plongeon est classique. Il mérite les applaudissements. Le plongeon n'apporte aucun contenu. Il y a une petite hauteur. Le plongeon est timide. Les gars, j'ai pris comme dans Assassin's Creed, wesh. Replay, replay. J'ai pris comme dans Assassin's Creed, wesh. Replay, voilà, t'as vu? Voilà, j'avais raison. Bon, allez, mon revient à l'avance, c'est moi qui vais gagner. Grand classique, préparez-vous. Applaudissements. Je suis satisfaite. Pour la victoire. Ok, un dernier Brice. Vous y allez, c'est bon, c'est bon. Ouais. On y va. 3, 2, 1. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ok les gars, maintenant pour pouvoir déterminer quel gagne dans cette épreuve, on rentre à l'intérieur. Personnellement les gars, Koda Gang, je pense que j'ai toutes mes chances, mon saut était impressionnant. Après certes celui de DHM était sûrement le deuxième plus impressionnant. Après à mon avis je suis premier de cette épreuve à coup sûr. Parce qu'il y a quand même Charles qui a fait un saut de merde quand même. Alors entre le tien et le mien, frérot, le tien il était vraiment à chier. Ça fait mal. Et toi Brice quoi? T'as fait un 3-6. J'ai fait un 3-6 et ton saut vraiment mourir. T'as fait un plat toi. Ok, tu l'as le perdant c'est celui qui a fait un saut de poisson et c'est toi Koda. Je suis désolé. Donc moi je suis dingue et là j'ai 0 points. Mais wesh, mais c'était pire que moi lui. Gros gros, t'as pas vu, hein? T'as remonté du bateau, t'as fait la carte. Oh, il y a Lucas. Ouais, c'est vrai que ce moment-là je me sentais poisson. J'ai l'impression d'avoir trouvé un peu ma voix, ma vocation. En troisième position, monsieur Brice. Tu remportes un point, on applaudit quand même. Ça me va. En deuxième position, ce fut très compliqué pour moi de déterminer. Et c'est monsieur Unchain. Yes. Ce qui signifie que le gagnant, c'est toi, DHM. Let's go. Tabarnak. Bon les gars, prochaine épreuve, c'est parti. Bon du coup les gars, pour cette deuxième épreuve ça va être très simple. Comme vous pouvez le voir, on a tous une bouteille devant nous. On aura tous 30 secondes pour boire un maximum du contenu de la bouteille. Celui qui à la fin aura bu le plus sera le grand vainqueur. Le premier gagnera 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et le dernier 0 points. Je précise que c'est de l'eau pétillante. Oubliez pas le petit tour en jet ski, c'est important. Et bien sûr le col à la gang, c'est moi qui vais gagner, c'est normal. 30 secondes c'est prêt. Attends, on ouvre déjà. C'est moi qui donne les ordres. Non, on ne triche pas. 3, 2, 1, c'est parti! Ah, j'aime pas l'eau pétillante. Je m'en fous. Allez là! Je trouve lent! On se dépêche! Plus vite! Avec le bateau, ça tangue, je m'en fous pas. C'est pas mon problème ça, tu bois! Ouais, je dois aller boire. 9 secondes, 8, 7, 6, 5,
3, 2, 1, stop, on pose la bouteille. Oh, ça se joue entre moi et Brice pour la victoire, je crois. Donc si on a la bouteille de Brice, on a celle de DHM, on a la mienne et on a celle de mon gars Unchained. Unchained est clairement le perdant et il a 0 points en classement. Les gars, j'ai envie de vomir. En troisième place, nous avons l'incroyable DHM. Ah, franchement, c'était dur, l'opétillant du match. Qui remporte 1 point. En deuxième place, ça se joue entre moi et Brice. Entre moi et Brice. Brissou qui est le grand vainqueur. Bien joué, Brissou. Bien joué, merci, tu m'impressionnes. Franchement, beaucoup. Tu m'impressionnes. Brissou qui remporte donc 3 points. 2 points pour moi. Le classement s'affiche tout de suite. N'hésitez pas à voter dès à présent dans les commentaires pour votre favori. C'est sûr, c'est moi qui vais gagner. C'est moi, les gars. Votez pour votre favori, les gars. Première épreuve, regarde. Le tour en jet ski, je vais pas le faire là, ça va être pour moi. Allez, on se lève, les gars. Allez, les gars, c'est parti. Prochaine épreuve. Bon, les gars, à présent, ça va être une épreuve de saut en longueur. Donc tout simplement les participants vont se décaler sur la gauche, allez-y. Chacun à leur tour, ils vont courir, sauter le plus loin possible. Et c'est celui qui ira le plus loin qui gagnera l'épreuve. Une fois que vous avez sauté le plus loin possible, vous vous décalez et vous restez sur la ligne sur laquelle vous avez sauté. Bon les gars, je suis à 4 points, je pense qu'on part sur de bonnes bases. Là, je vais tout donner pour remporter, mais je suis très très bien parti. Bon, moi j'ai mal commencé, on recommence bien avec 2 points. On va voir jusqu'à où je vais pouvoir sauter. Bon les gars, je suis très mal parti, mais ça va, j'ai su récupérer un peu des points. Ça régale, je suis à 2 points, je pense que mes adversaires encore une fois ne sont pas de taille et que je suis le roi de la mer, donc voilà, j'ai rien à rajouter. On les refait goûter, je suis à 4 points avec DHM, on a égalité. Je pense que ça va être l'épreuve qui va déterminer qui va être le grand gagnant dès le départ, parce que je sais bien que je vais gagner dans tous les cas. Ok, donc je vais demander à Koda encore une fois. Quoi? Oui. Mais vous avez un problème avec moi, madame, là, c'est bien personnel. Non, 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 je suis d'accord, justement. Ça bien. Moi, je pense que tu dois mieux te relancer. Ah, si, c'est mieux te relancer. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pas mal la blague. Tous les coups sont permis, on peut faire le saut de l'ange, le saut du. Carafarai! Attention, grenade! Koda gang! Yes! Je peux faire ce que je veux? Fais tout ce que tu veux, c'est parti! Non, il y a plus! Ouais! Ouais! C'est plus. Non, 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 ça compte pas! J'ai décidé que ça ne comptera pas! Éliminé en plus! Non! Mais si, ouais! Non, 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 mais en tout cas, c'était pas très bon! Je dois juste faire plus que Brice et je passe à la première place! Attention les jeux! Yes! J'ai gagné! J'ai gagné! Les gars, on revient et je vous réinvite à l'intérieur! On prend les serviettes et c'est reparti! Je pense que sur cette épreuve, vraiment, j'ai su prouver que j'avais les jambes affûtées pour aller le plus loin possible. Je pense que l'arbitre reconnaîtra ma valeur à ma juste valeur. Je serai bien évidemment premier. Je remporterai les 3 points afin de remonter dans le classement. Merci beaucoup. Bon, les gars, vous êtes tous remontés. Je suis quand même fier de vous en dernière position. Je suis désolée, mais Charles, tu prends encore la dernière place. On applaudit quand même, malgré tout. Troisième position, les gars. Et pas des moindres. Brice. Let's go, je suis devant Brice. On l'applaudit, on l'applaudit. Un point, bien joué. Un joli point. Le point symbolique. En deuxième position, TDHL et on l'applaudit. Quoi? Attends, quoi, quoi? Attends, mais il a pas sauté plus loin que moi. Il a gagné. Mais c'est... Ah. Mais il est con. J'ai envie de changer. Allez, bravo, Cola, bravo, bravo. On a gagné. Non, arrête, mais... Il est complètement con celui-là ou quoi? Il est ingérable. Mets le deuxième là, c'est deuxième. Finalement, t'es deuxième, hein, Koda. Quoi? Ouais, non, c'est une blague. Donc, les amis, je remporte 3 points. DHM 2 points. Brice 1 point. Charles 0 points. Mais au moins, comme ça, j'ai 2-0. Ça fait la tête à Toto. Il est vraiment bon celui-là. Toujours le mot pourri. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas dès à présent à mettre un petit like. Voilà, si tu kiffes la vidéo, un petit like, un petit abonnement. Ça fait plaisir. Je rappelle le classement. Unchained en dernière position avec pour l'instant 2 points. En troisième position, nous avons un ex-aequo avec Brice. Et KODA, 5 points. Sébastopol et Samantha. Oui, je m'appelle Sébastopol. Voilà, il faut exactement savoir que le yacht est à papa. Ce n'est pas une location. Ouais, ce n'est pas. Est-ce qu'on t'a demandé de parler? Ragondin, Ragondin. Le Ragondin. Non, on a encore une épreuve à faire. Nous avons plus d'une épreuve à faire. Le yacht est à papa, calmez-vous, sinon je vais vous virer tout de suite. Et le grand gagnant, avec 6 points, DHM en tête du classement. On est qu'à 1 point de lui. Je rappelle que le gagnant gagne un tour. Ne saurais-je le rappeler? La prochaine épreuve, les gars, c'est tout simplement l'épreuve de la bouée. Le majordome de papa va nous ramener la bouée dans laquelle nous allons pouvoir faire un saut latéral. Ce qui nous permettra de rentrer dedans. Bon, les gars, voilà, comme vous pouvez le voir, la bouée va être là. Ça va être très simple. Cette épreuve, elle peut vraiment mettre bien certaines personnes qui sont en bas du classement, comme Unchained, et d'autres comme moi qui sont deuxième. Ça peut nous faire passer premier. Bon, arbitre, je voulais choisir le premier. Moi, je peux y aller, je teste. Ouais, pour changer, on va mettre Unchained. Je peux faire ce que je veux ou pas? Oui. Tu fais tout ce que tu veux. J'ai envie de faire à l'avant, mais j'ai peur. Il est très malin. Il est très malin, il a su attendre que la bouée se rapproche. Ok, on l'applaudit parce que moi je trouve que c'est vraiment pas mal. 3 points, 3 points, 3 points. Bon, qui est le prochain? Le prochain ça va être DHM. Mais frérot, c'est pris en fait. Ah, je sais pas, moi j'ai un peu du mal à. Attends, j'ai un peu. Madame l'arbitre, c'est de la pêche là. Tu dégages! Ouais, mais là. Ouais, mais abuse pas, arrête. Non, abuse pas aussi. Arrête, vas-y. Non, allez, vas-y, DHM. Je suis trop, c'est trop facile, mais putain, mais putain. Ça perd l'hypopèse. C'est pas mal du tout. Sans toucher, l'émission est truquée, je suis désolé. Koda gang,
Tu restes dans le jardin, tu bouges plus. Regardez-moi ce que je propose, voilà. Ouais, j'y vais. Vas-y, 3, 2, 1, go. En vrai, c'était stylé, mais... Moi, j'ai aimé la prise de risque, hein, perso. On l'applaudit. Aïe. Ok, pardon, Koda, excuse-moi. Je vous excuse. 3, 2. Wow, c'est un grand-mère, ok. Hésitant. Bon bah, tout le monde a réussi et on le ramène comme tout. Tout le monde dedans. Bien sûr. On le ramène. Car c'est le prince. Bon, du coup, les gars, tout le monde a réussi. Maintenant, c'est à l'arbitre de trancher et de donner les points. Ok, en dernière place, je suis un peu déçu. Je suis désolé, mais Brice. Quoi? Je fais 1m60 les bras levés, j'ai sauté le plus. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Oh, j'aime bien le tact. Troisième place. Unchained. Un point. Oui, j'ai fait mieux. Je vais m'expliquer pourquoi. Koda, je suis en deuxième place parce que tu as fait une prise de risque. On t'applaudit. Deux jolis points pour Koda. Et encore une fois, Monsieur DHM. L'homme qu'on ne présente plus, j'ai pas du tout touché la bouée. Très belle prise de risque qui est très appréciée. Mais bon, les gars, bon. Y a qu'un vainqueur ici. Les amis, tout va se jouer sur la dernière épreuve. Pour le Kara Gang, on se retrouve pour l'épreuve ultime. Cette épreuve, il fera gagner 5 points. 5 points. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4. Vu que vous avez été bon joueur, vous avez gagné pas mal de points. N'importe qui là maintenant peut gagner la première place. Donc celui d'entre vous, je te remercie. Ça fait plaisir. Celui d'entre vous. J'apprécie pas. Pardon. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Moi je valide la règle. On valide. Validation validée avec confirmation bien sûr. Je valide avec validation. Celui qui trouvera cette paire de lunettes cachées dans le yacht remportera les 5 points et donc la victoire est. Mais oui, mesdames et messieurs, le tour du ski, faut pas oublier. Bon, maintenant, on va la laisser faire, qu'on va sortir. Ouais, on va mieux, mais j'ai pas de lunettes. Okay. Dans la merde. Déjà, genre, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. C'est un espèce de truc de sauvetage. Ouais. Dans. Ça peut. Dans une chambre, je trouve ça un peu banal parce qu'ils vont tout de suite courir dans la chambre, tu vois. Dans des placards ou tiroirs, c'est du vu et déjà vu. Bon, l'équipe, c'est officiellement la dernière épreuve. C'est chaud là, mon gars, ça va être très compliqué là. Là, maintenant, celui d'entre nous qui gagne remporte le jet ski. Shit. On a rien touché. Ça n'a pas été filmé. Personnellement, j'ai tout gagné, les gars. Mais gros, c'est l'injustice, lui. C'est un ouf, lui. Oui, mais c'est normal, t'es avant-dernier, tu veux gagner. Désolé, frérot, mais c'était prévu comme ça depuis le début. On va dans une échange, je trouve ça. Pourquoi j'ai fait ça? Malheureusement, je suis vraiment désolé, t'as été un bon participant, mais c'est le grand final. C'est les règles. Ok. Allez, on descend. C'est parti, les amis, le grand final. Ok! C'est bon. N'hésitez pas dès à présent à dire dans les commentaires celui que vous pensez qui va gagner. DHM les gars. Non, c'est moi. Force les conneries, arrêtez les bêtises. 3, 2, 1, let's go. Bouge. Non, tu triches. Eh, on va pousser avec le coude là. Non, on va te faire le coude. Non, casse-toi, frère. Bouge. Oh putain. Oh. Casse-toi. J'en fais croire que c'est là. Putain. Elle est où? Hein? Pourquoi tu triches? Non. Vous voulez un indice? Ouais. Déjà c'est en bas. Ici en bas? Ouais. De ce côté là? Ouais. What the fuck? C'est possible. C'est triché. C'est par là. Je sais que c'est par là. Oh les gars! Je donne un deuxième indice ou pas? Ouais. C'est dans cette chambre. Ouais. Mais c'est où? Attention, vous allez me les casser! Mais. Ah! C'est un indice, ça? Attends. Stop. Ouais! Oh! J'avais regardé sous le lit. Ah, en plus, c'est moi qui ai soulevé le lit, c'est lui qui les a pris, j'ai la haine. Putain, bien joué, vas-y, franchement, bien joué. Il serait le gros vainqueur. Attends, il avait combien de points? Plus mon téléphone. Les gars, plus 5. Toi, t'avais combien? 9. Mais voilà, j'ai pas gagné. Si tu as 6 points, tu as gagné 5 points. Et tu passes premier. Ah! Ah oui! Non, Jean! J'ai dit c'était gratuit! Franchement, bravo! Wouh! Ça s'applaudit, ma mère! Bien sûr, je vous mettrai des points de Unchained en jet ski. Merci, Koda, ça fait plaisir pour le jet ski! Merci, mec, tu gères. Merci, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, c'était ton gars Koda. Chibidi bam!